Contrairement aux apparences, certains invités viennent à reculons, pas si pressés que ça d'en découdre avec de vieilles images sensibles. C'est le cas d'Olivier Labomattei, avec qui j'avais eu l'occasion de travailler il y a près de 20 ans, et qui depuis a fait du chemin, démonstration avec ou sans filtre. Allez-y. Que de souvenirs. Et bienvenue dans votre vie, Olivier. Le début en tout cas, ouais. Le début, effectivement, même bien avant votre vie. Alors, on va commencer là. Étonnant. Une fois n'est pas coutume. Allez, oh. Charles Battesti. Il est où Charles Battesti, là? Tout à gauche, sur son mulet. Charles Battesti, mon arrière-grand-père. On est où, là? On est à Pietradiverde. Alors ça, c'est plutôt côté grand-mère, ça, hein? Ça, c'est du côté de, donc c'est du côté des Battesti, du côté de ma grand-mère, Claire, qu'on voit sur l'autre photo, là. Et Charles Battesti, qui était donc muletier à Pietradiverde et qui était une figure locale, puisque c'était un peu le Don Juan du coin. Et quand il sortait, les mères planquaient leurs filles, il paraît, d'après la légende. Voilà. Charles Battesti, c'était un grand gaillard. Vous ne l'avez pas connu? Très fier. Je l'ai connu. C'est vrai ? Il a vécu longtemps. Je l'ai connu, j'avais 7 ans quand il est décédé. Donc, Vous avez quand même connu donc, le Don Juan de Pretadiver. Oui, tout à fait. Famille Battesti, et puis on a la famille à côté. La famille Mattei. Mattei, voilà. Avec votre grand-père. Avec mon grand-père, Jean, et ma grand-mère, Claire. Et le petit avec Donald, c'est moi. Attends, il est chouette ce t-shirt. Et le petit à côté, c'est mon frère. Quels souvenirs d'enfance avec eux en Corse? Parce qu'ils vont avoir une fille, bien sûr, qui va partir sur le continent. Et vous allez grandir sur le continent, hein, tout plutôt. Tout à fait. La Corse, c'est un mois par an, simplement? La Corse, c'est un mois par an dans les premières années, oui. Ouais. En vacances. C'est la Corse, pour moi, ma Corse, en fait, quand je suis jeune, c'est Lupino. C'est mon village, en fait, c'est Lupino. C'est les quartiers sud de Bastia, où habitaient mes grands-parents, puisqu'ils habitaient à Bastia. Et on montait au village les premières années, tant qu'on avait encore la maison au village. On a bien compris que votre vie, en fait, ce n'est qu'un mois ici. Le reste de votre vie, il est là-bas, Olivier. Ouf. Alors, on est où, là? Les personnages sur la photo, j'ai dû en croiser quelques-uns. Et oui, on est là. Je reconnais surtout les lieux autour. On est où, non? Ça, c'est à Gaza di Ubu Blugors, c'est ici les Moulineaux. Oui. Et c'est mes années entre 18 et 20 ans. Des années où j'étais finalement à la recherche de mes origines, on va dire. Oui. Et puis je faisais partie à l'époque de la Soutche Patriote, qui avait une antenne à Paris et qui s'occupait des familles de prisonniers politiques qui venaient voir leurs enfants en prison. Donc, ah oui, un vrai engagement militant, là. Il y avait cet engagement à l'époque, c'est vrai. Plus que politique, plutôt porté sur l'humain. Et je crois savoir qu'à cette époque-là, il y a quand même la photo qui vous titille. Vous faites quelques photos, déjà? Oui. Mais c'est des photos amateurs, en fait, non? Oui, en fait, tout s'est un peu mêlé, mais j'ai été passé par la fac, j'avais fait géographie, sociologie, et puis finalement, c'est vraiment un reporter-photographe que je voulais faire, donc je me suis confronté au terrain. Ouais. Et à Paris, le terrain n'est pas forcément évident, parce que la concurrence est grande. Et un jour, j'avais rendez-vous avec le rédacteur en chef de l'AFP à Paris, qui gentiment m'a reçu, a vu mes photos de manif, mes photos de concert, et il m'a gentiment dit qu'il y avait encore pas mal de boulot avant peut-être de rejoindre l'agence. Mais il m'a dit, tu es d'origine corse, en ce moment il se passe beaucoup de choses en Corse, pourquoi tu t'en pas là-bas, tu fais tes preuves là-bas, et peut-être qu'un jour nos destins se croiseront de nouveau. Quand vous rentrez en Corse, venez à côté de moi. Nos chemins se croisent, cher Olivier. Vous faites quelques piges. Vous faites quelques piges, effectivement. Vous faites, à l'époque, encore, il faut manger, hein, je pense. Hein, on fait des photos. C'est mes photos, ça? Ben oui, c'est vos photos et c'est moi sur les photos, regardez. la marche à gorge déployée, texte Luc Mondologne, regardez. T'as la casquette, ça vous allait bien. Hein. Donc, au début, quand vous rentrez en Corse, vous l'avez dit, vous arrivez ça y est, une main devant, une main derrière, quoi, quand même. Vous travaillez un petit peu partout, vous ne savez pas exactement ce que vous voulez faire, ou... Ben, j'avais été embauché donc, dans cette agence de presse au départ, qui m'a permis d'avoir tout de suite un salaire, et c'était une chance extraordinaire
Et à ce moment-là, effectivement, j'ai complété, on va dire, mes revenus par des sujets comme celui-là pour Terragours. Alors Terragours, c'était une revue qui avait été montée par Jean-Christophe Attard, photographe d'ici. Et on était très liés avec Jean-Christophe. On avait même monté un collectif à l'époque. Mais c'est intéressant, là, on est en 2003, là. Hein. On est en 2003. On est en 2003, oui. On est en 2003. Et pendant que vous faites ça, effectivement, vous l'avez dit, vous travaillez aussi pour l'AFP. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis cette photo, là, Olivier. Qui doit dater de 2003 aussi, à peu près. Exactement. Ça, hein, ouais. 2003, en même temps. Et alors, elle est symbolique, cette photo. De venir du continent et de se confronter à ce mouvement indépendantiste, nationaliste, ça vous fait réagir aussi, finalement. En tout cas, qu'est-ce qui se passe ? Non, mais la réaction, je l'ai eue bien avant ça, en fait. Dès que je suis arrivé en Corse et que je suis devenu journaliste, tout de suite, j'ai fait la distinction et j'ai arrêté de militer parce que je ne pouvais pas à la fois être journaliste et militant. C'était quelque c'est chose aussi simple que ça, en fait. Tout simplement. Ouais. C'est incompatible. C'est incompatible. À mon sens, c'est incompatible. Et puis, dans les faits, de toute façon, ce n'est pas... Je ne m'y retrouvais plus. Enfin, c'est il y a ce qu'on peut fantasmer et ce qu'on peut découvrir ensuite. Et il y a un monde entre ça. Voilà. Et puis on évolue, on grandit. En tout cas, il y a un monde entre cette photo et celle-là, et puis encore un monde avec celle-là. Et celle-là, passez par là, je vous en prie. Je vous retrouve de l'autre côté de l'arbre, si vous voulez bien. Allez. Et en fait, vous vous révélez à l'AFP. Ça, c'est une photo qui aurait pu vous rapporter des millions. Parce que... Je n'irai pas jusqu'à en là. En tout cas, beaucoup. C'est une photo, c'est un scoop. C'est votre premier scoop. Il faut bien imaginer que Colonne, ça faisait 5 ans qu'il s'était enfui. Les photographes du monde entier essayaient de le trouver, de lui mettre la main dessus, d'organiser un rendez-vous avec lui. Et le temps passe. On est en juillet, mais le temps passe et l'air devient frais. Même en juillet... je crois qu'il est aux alentours de 2-3 heures, peut-être 4 heures du matin. Et il y avait du mouvement, toujours un petit peu. Moi, j'étais sur la voiture de l'AFP et j'avais une énorme téléobjectif dont la qualité n'était pas extraordinaire en plus. Et donc, je faisais des tests réguliers pour voir si l'appareil fonctionnait parce qu'il y avait toujours un petit peu de mouvement. Et donc là, je fais un test, en fait. Et jusqu'à ce que je m'aperçoive que finalement, mon test, c'est la première image d'Ivan Colonna. Tout le monde veut se l'arracher, cette image, mais voilà, j'ai juré fidélité à l'AFP, et donc je laisse cette image à l'AFP. Oui. Et justement, ce geste envers l'AFP, vous allez espérer avoir quelque chose en retour. Vous allez aller à Paris, mais c'est une autre histoire, on ne va pas en parler là. Hein, vous allez remettre les choses au point. Ouais. C'est dans une autre pièce que ça se passe. Allez, venez avec moi. Olivier, installez-vous. Allez, séance ciné. Séance plutôt AFP, j'ai envie de dire. Oui. On est à Paris. Magnifique bâtiment. Vous avez quitté la Corse, vous vous retrouvez là, alors avec simplement deux valises, mais littéralement. Littéralement à l'AFP à Paris. Et voilà, je leur ai dit, maintenant on fait quoi ? Et au bout de quelques mois, j'ai été titularisé et j'ai commencé donc le travail à la fois national, puisqu'on fait beaucoup de reportages à Paris, hein, et international, puisque j'ai commencé à partir à l'étranger, qui était mon rêve. Et quel étranger, justement ? L'Irak, oui. Direct, vous vous retrouvez là, dans le chaos ? Oui, presque directement. Ça a été un moment assez, enfin forcément très fort. Première fois que je mettais les pieds sur un terrain de guerre. Donc j'ai accompagné l'armée américaine pendant un mois. Des GIs qui étaient des gamins, quoi. Ils avaient 16 ans, 17 ans, 18 ans. Ils voulaient pas être là. Finalement, ce qui m'a intéressé, c'est le caractère psychologique de la guerre, autant sur les civils que sur les soldats. Et c'est ce que j'ai continué à faire. Ça va être le fil conducteur de votre vie. Ça a dû être un choc d'arriver là comme ça, quand vous aviez même pas 30 ans.
Oui, il y en a qui ont commencé bien plus jeunes que moi. Hein. Je suis arrivé un peu tard, finalement, en âge, sur ces terrains-là. Oui, bah, la boule au ventre, forcément, on ne sait pas où on met les pieds. On apprend au fur et à mesure qu'on marche, qu'on avance. Et puis finalement, on trouve ses repères, on comprend comment les choses fonctionnent. Et puis ensuite, de fil en aiguille, de reportage en reportage, y a des automatismes qui se créent. Quoi. Et alors avec l'AFP, effectivement, la guerre, c'est une catastrophe, mais il y a d'autres catastrophes. La Birmanie, oui. Le cyclone en Birmanie, 2008. En fait, ce qui m'intéresse aussi, au-delà de la catastrophe en elle-même, qui est un cataclysme, mais une parenthèse finalement dans la vie des pays, c'est les conséquences aussi de ces drames finalement, et qui peuvent être parfois plus dramatiques que la catastrophe elle-même. Par exemple, sur la Birmanie, donc cette vague qui détruit tous les villages du delta et qui emporte des centaines de milliers de corps. L'horreur s'est ajoutée à l'horreur puisque la junte birmane à l'époque a profité de ce désastre pour récupérer les terres des cultivateurs et exproprier une grande partie de la région. Donc voilà, on rajoute de l'horreur à l'horreur, et nous, c'est ce qu'on a voulu témoigner aussi en allant clandestinement dans cette zone. Clandestinement, oui. Effectivement. Parce que effectivement, c'était interdit aux Européens, et vous vous êtes fait passer pour des amoureux qui étaient un petit peu comme ça, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, pour arriver justement ici. Ouais. Ces efforts que vous allez faire, ça va être votre premier World Press. Tout à fait, ouais. Ouais. Un World Press, c'est quelque chose. Oui, le premier... Parce que vous allez en avoir trois, hein. On va voir d'autres, c'est incroyable, ça c'est le premier, vous en souvenez quand... Ah ben je me souviens, oui, quand on me l'a annoncé, forcément, ça fait plaisir. On ne fait pas ce métier pour avoir des prix, c'est évident. En même temps, de savoir que son travail est reconnu par ses pairs, ça encourage à continuer. Après, il faut savoir aussi garder un peu la tête froide par rapport à tout ça et savoir redescendre. Parce que qu'est-ce qui est primé ? C'est la beauté de la photo ou c'est ce que vous racontez ? Je pense que c'est tout, en fait. Ouais. C'est quand on accuse les reporters photographes souvent d'esthétiser la misère. Hein. C'est un petit peu ce qu'on nous reproche bien souvent. Il ne faut pas oublier qu'une photo, si elle attire l'œil, si elle arrête le spectateur, c'est peut-être parce qu'au départ, elle a ce pouvoir hypnotique et cette force esthétique qui permet de retenir le spectateur et l'information, et lui décerner, diffuser l'information. Donc je pense que oui, c'est forcément les deux qui sont primés dans ces cas-là. Et puis là, il va y avoir quelque chose, c'est que vous vous impliquez émotionnellement, j'imagine, en tout cas, dans ce genre de reportage. Et un jour, il y a l'AFP qui arrive toujours trop tôt, ce jour où on vous dit, maintenant, il faut rentrer, parce que l'actuel est ailleurs. À Gaza, oui. Gaza, l'opération plomb durcie par Israël. Janvier 2009, oui. Mais on a mis volontairement qu'une photo, parce que cette photo, justement, elle veut tout dire, là. Ouais. Cette femme qui tient son enfant dans les bras, dans les décombres... C'est sa maison, en fait. Elle a tout perdu. Il faut imaginer des maisons immenses qui ont été entièrement rasées par les bulldozers de Tsahal. Et là, pareil, Olivier, une fois que l'événement est passé, une fois qu'on vous rappelle, et là encore, c'est encore difficile de l'abandonner, cette femme et cet enfant. Frustration, finalement, de ne pas pouvoir aller au bout de leurs histoires et de ne pas pouvoir passer le temps qu'on voudrait à les connaître. Donc encore cette frustration de partir trop tôt. Ouais. Et on va arriver au paroxysme, peut-être. Ouais. Paroxysme et de l'horreur et de la frustration. C'est ici que ça se passe. Haïti, oui. Haïti, c'est l'horreur absolue. Je suis un des premiers photographes, finalement, à pouvoir arriver à Haïti après le séisme du 12 janvier 2010. Un séisme qui a fait près de 300 000 morts immédiats. Des centaines de milliers de blessés. Et des millions de sans-abri, des gens hagards qui se promenaient nus dans la rue, qui ne savaient plus qui ils étaient, des gens qu'on retrouvait sous les décombres, qu'on entendait sous les décombres, mais à qui on ne pouvait apporter aucune aide parce qu'ils étaient bloqués. C'était une abomination. C'était insoutenable, d'ailleurs, à tel point que ces photos, c'est des photos en couleur que vous prenez. Je les ai faites pour l'AFP au départ, et je les ai faites effectivement en couleur. Je les ai passées en noir et blanc parce que je ne pouvais plus les voir en couleur.
Mon travail ensuite s'est orienté vers le noir et blanc. Parce qu'effectivement, là, l'AFP, au bout d'un moment pareil, vous rappelle. Et là, vous n'avez pas envie de partir cette fois-ci. Vous dites, non, moi, je rentre pas. Je négocie tout ce que je peux. Et donc, là, paroxysme de la frustration, comme vous dites, vous donnez votre démission, vous faites une rupture conventionnelle avec l'AFP. Oui, je négocie pour... Parce que moi, je vais être indépendant. En fait, vous dites, je vais être indépendant. Vous prenez un risque. Vous renoncez à un CDI pour être indépendant et surtout pour une chose, dans un premier temps. C'est retourner en Haïti pour finir le travail. Comme un drame n'arrive pas seul à Haïti, qui est une île, pour le coup, maudite. Au moment où je suis retourné là-bas, quelques mois après, ils ont eu en un mois un cyclone qui a ravagé le pays, ils ont eu une épidémie de choléra et une élection présidentielle qui a mis le pays à feu et à sang, tout ça en un mois. Donc voilà, c'était, j'ai essayé de continuer à documenter. Vous allez recevoir un World Press pour le travail en Haïti. Alors pour le travail sur le séisme. Ouais, pour le travail en séisme. Ouais, ouais. Là, vous êtes indépendant. Oui. C'est un confort et ça ne l'est pas. Et quand on est indépendant, donc on se vend au plus offrant. En tout cas, on est appelé de temps à autre. Et finalement, on est appelé, des fois, on retourne sur des terrains qu'on croyait avoir un petit peu abandonnés. Vous retrouvez là. C'est le monde qui vous appelle, là. Printemps arabe, en Tunisie. Vous arrivez, vous filmez la foule qui manifeste. Alors, je sais que ça va être un petit peu difficile pour vous, certainement, d'en parler. Parce que le moment où vous photographiez, là, on vous tire dessus, en fait, clairement. Et ce qui va se passer, c'est que le look qui est avec vous, la balle vous passe à quelques centimètres. C'est un tir de grenade lacrymogène, mais à tir tendu, c'est-à-dire que la police, à ce moment-là, était complètement hors de contrôle, puisque Ben Ali venait de quitter le pays. Et on était quelques photographes, et quelques minutes auparavant, effectivement, moi aussi, on m'avait tiré dessus, mais là, c'est Lucas Dolega qui a été touché en pleine tempe. Et voilà, on n'a pas réussi à le sauver. Il a succombé à ses blessures trois jours après. Ça, c'est... Alors, c'est un petit peu l'objet de l'émission aussi. Je suis désolé. C'est un vrai traumatisme pour vous, ça. Parce qu'en rentrant en France, vous quittez Paris. Vous ne pouvez plus rester à Paris. Vous allez vivre en... Pourquoi vous allez vivre en Belgique? Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu difficile de tout expliquer comme ça en quelques minutes. Les mécanismes qui se mettent en place dans ces cas-là, c'est des mécanismes de préservation aussi. On essaye de pas cramer complètement dans le cerveau. Donc la solution que j'ai trouvée à l'époque, c'était de me mettre un petit peu à l'écart de tout le mouvement qu'il y avait autour de tout ça, d'essayer de me reconstruire. Donc je suis parti effectivement à Bruxelles, qui était finalement pas très loin de Paris, donc ne pas quitter complètement mon réseau, mes contacts, mais en même temps me mettre assez à l'écart pour essayer de me reconstruire, en tout cas de me retrouver. Vous avez peur de tout à l'époque? Dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle un stress post-traumatique. Donc oui, dans ces cas-là, on a peur de... moi, en tout cas, c'était comme ça que je réagissais. J'avais peur de sortir. Les bruits, n'importe quel bruit me faisait tressaillir. Enfin, c'était un peu une période compliquée. Mais bon, qui est rien à côté du drame qu'on pu vivre. Et à cette époque-là, justement, pour vous prouver que vous êtes encore en vie, mes mots ne sont pas trop forts, vous dites, il faut que je reparte. Et en tant qu'indépendant, vous repartez en Libye. Oui, c'était les révolutions arabes, donc... Rémi, ouais. Ce reportage que vous allez faire en Libye, photo encore une fois magnifique, vous n'allez même pas en vendre une de photo. C'est vraiment... Non, je ne cherche pas à vendre. Hein, vous cherchez pas à vendre. Je suis très mauvais vendeur en général, de toute façon, mais je ne cherche pas à vendre, je cherche juste à remonter en selle, à me reconstruire, à essayer de voir si je suis encore capable de faire ce genre de choses. Sauf qu'effectivement, on en vient à ce photographe qui, lui, quelques temps plus tard, se fera tuer aussi. Rémi, oui. Donc c'est ainsi que je vous propose qu'on finisse cette séquence, parce que justement, il y a la fin de quelque chose là, indéniablement. Vous avez dit, vous partez quand même un petit peu sur le Niémen, mais vous allez surtout partir sur autre chose. Et ce que je vous propose justement, c'est qu'on aille dans une pièce pour partir sur cette autre chose. Hein ? Allons-y. Allez, venez. Espérons que ce soit plus gai. Thank you.
dernière pièce, pièce finale. Olivier, derrière ces écrans, je ne sais pas si ça sera vraiment des surprises. On commence là, avec le renouveau. La nouvelle vie, elle commence grâce... Il est beau, hein ? Ouais. Mon fils, mon premier fils, j'en ai deux. Lisandro, la bande Giuliani, qui est un brillant élève de sciences politiques. Oui, en particulier. mais en général, qui est une personne formidable. C'est ma vie, c'est tout pour moi. Voilà. Et justement, vous avez décidé de rencontrer votre vie, j'ai l'impression, parce que, exactement, j'ai mis cette photo face à vous, parce qu'il vous vient une idée en tout cas, c'est ce partage d'expérience entre un père et son fils que vous avez voulu mettre en œuvre il y a quelques années là. Oui, on a commencé effectivement à voyager ensemble. En fait, on ne se voyait pas beaucoup, puisque lui a grandi à Ajaccio. Moi, j'étais à Paris, puis dans d'autres pays. Et puis, quand il a 11 ans, je lui propose de partir avec lui en Mongolie, un pays que ni lui ni moi ne connaissions. Je lui avais donné un appareil photo Polaroid et je lui imposais d'écrire tous les jours dans son carnet. J'étais un tyran pour ça. Et avant les écritures, justement, il y a des photos, tous les deux. Alors ça, ce sont vos photos. Ça, ce sont mes photos, oui. Cette Mongolie que vous racontez, tous les deux, un père et son fils face à l'inconnu, face à ce qu'on appelle l'Eldorado et qui se révèle être... des photos magnifiques. On est loin de l'Eldorado en Mongolie. Ouais. On est parti à la découverte au hasard de nos rencontres. On est parti trouver des mineurs clandestins, des chercheurs d'or, tout un tas de gens qui nous ont raconté leur pays. Et on en a fait un livre écrit à quatre mains. Et ça va donner. Ce livre. Ce livre absolument magnifique. Ouais. Ces textes, vos photos, une expérience unique, non, j'imagine. Une expérience unique qui a énormément d'importance pour moi, parce que je pense que si on fait ce métier de photographe, photographe documentaire, reporter photographe, on peut appeler ça comme on veut, si on fait ce travail, on espère toujours que les choses vont changer par les photos qu'on va montrer, mais si elles ne changent pas, au moins elles sont là pour marquer l'histoire, pour marquer le moment et pour la mémoire. Et donc pour la transmission. Et donc de pouvoir partir avec son fils et de vivre ces choses-là avec lui, ça permet de travailler la transmission, de partager avec la première personne avec qui on a envie de partager son enfant. Et justement, c'est une histoire qui se poursuit. Neige noire. C'est un projet, ça. C'est un projet. C'est un projet, c'est marqué d'ailleurs. Projet Neige noire, une histoire du Groenland. Un roman fiction qui va se baser finalement sur la vie des gens qu'on va rencontrer. Il va s'inspirer de leur personnalité pour créer une histoire, mais finalement on va leur poser la question majeure qui est: comment imaginez-vous votre pays à l'aune des bouleversements climatiques, puisque le Groenland est finalement le baromètre de notre monde et de ce qui va se passer au Groenland dans quelques années. On va avoir comme ça une idée de ce qui arrivera chez nous, donc l'idée est là et espérons qu'on aille au bout. C'est un super projet, ça. Vous avez de la chance, là, au lieu de partir avec le petit comme ça. C'est une super chance. On va changer d'écran, si vous voulez bien. Bougez pas, on va aller sur celui-ci. Parce que vous avez de la chance, et puis vous avez aussi des idées que vous mariez à du talent, et ça donne ça. Et c'est là où vous êtes surprenant. Je ne m'attendais pas du tout à voir ça. Je vais devoir te dire un truc, maman. Parce qu'en fait, il y a des souvenirs de mon enfance qui sont remontés il y a 2 mois. Des souvenirs de viol quand j'avais 4 ans. Hein ? Ça, c'est très, très fort.
C'est un documentaire que vous avez fait quoi, l'an dernier, je crois? Ça a duré 3 ans, de 2016 à 2019. Donc je l'ai co-réalisé avec Baptiste de Cazeneuve, qui a... En fait, c'est son histoire qu'il raconte. Et moi, je le suis dans son aventure, on va dire. Baptiste, qui est d'abord mon collaborateur, collègue, mon binôme, comme on dit, puisque c'est le rédacteur avec qui je travaille, avec qui notamment j'ai travaillé pendant longtemps sur la crise centrafricaine. On va aller voir. Et au retour de ce long périple en Afrique, Baptiste a des réminiscences de viol quand il était petit. Il avait une amnésie traumatique et les choses lui reviennent à l'esprit. Suite aussi au reportage sur les traumatismes de guerre qu'on a pu faire ensemble en Afrique. Et il décide tout de suite d'en faire un film. Il décide d'essayer de comprendre qui il est, puisque finalement son amnésie a été grande et il a même oublié les 10 premières années de sa vie. Et donc il va essayer de se reconstruire pièce par pièce, comme un puzzle. Il va reconstruire sa vie comme ça. Et il va essayer de se retrouver d'abord lui-même et aussi de partir à la recherche de son agresseur. Son violeur. Voilà. Et donc c'est toute son histoire. Mais voilà, beaucoup, beaucoup de courage de la part de Baptiste d'être capable de livrer à ce point et de se livrer à ce point au monde et de raconter sa vie comme ça, dans tous les détails. Eh bien justement, vous l'avez dit, l'origine de ce qui a fait le point de bascule, en tout cas, c'était ce reportage-là. Hein, c'était le reportage que vous avez fait ensemble pour l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Alors, on a bien compris que ça a été la genèse de ça. Mais j'ai mis ça pourquoi, moi, Olivier? J'ai mis ça pour le titre, en fait. « Se réinventer pour survivre ». Et je trouve que ça vous sied particulièrement, ça. Depuis que vous avez quitté l'AFP, que vous êtes à votre propre compte, il faut perpétuellement se réinventer pour survivre. Parce que malgré vos magnifiques photos, c'est pas toujours facile. Et c'est là où le bât blesse. Oui, c'est difficile maintenant pour nous, photographes indépendants, de vivre de notre métier, oui. Mais en même temps, voilà. Il faut se réinventer, en tout cas. Il faut se réinventer, il faut essayer de trouver d'autres manières de gagner sa vie, former d'autres photographes, peut-être, vendre des tirages, se réinventer, je ne sais pas, il faut... Tout est ouvert encore. Ouais. Et je vais finir avec cette photo, justement, parce que les moments... qui sont un peu exactement les moments qui sont un peu difficiles, ou quand les fins de mois sont un petit peu difficiles, ou quand il y a des... C'est ici que vous vous réfugiez encore aujourd'hui? Oui, j'habite toujours à Loupino. Je suis entre Loupino et Paris, et voilà, c'est ma vie et j'y retourne très souvent. C'est fini. quand on finit cette émission, on l'a fini avec un selfie. C'est moi qui prends la photo, une fois n'est pas coutume. Et je sais que c'est pas trop votre truc, vous, les photos. J'ai horreur de ça. Allez, faites un effort. Et un sourire, faites un sourire. Essayez de pas bouger. Merci infiniment, merci Olivier. Beaucoup. Merci infiniment. Oui. J'ai peut-être un talent, on va savoir. Non, mais il va falloir creuser ça. À bientôt, Olivier. Allez, merci.